Bonjour Omar. Bonjour Madame Dania. Regarde Omar, aujourd'hui, on va additionner verticalement, d'accord? D'accord. Oui, mais d'abord, on va voir une vidéo. Tu es prêt? Oui. Alors, voyons. Bonjour Tara. Bonjour Madame Dania. Tu es prêt pour additionner deux nombres verticalement avec moi? Oui. Alors, commençons. Regarde Tara, ici, il y a deux dominos, à droite et à gauche. Est-ce que tu remarques quelque chose? Ce sont les mêmes dominos, n'est-ce pas? Oui. Alors, comptons les points jaunes. Ils sont combien de points ici? 6. Alors, 6 plus combien de 3. Points rouges? 3. Alors, 6 plus 3 égale combien? 6 à la tête et 3 à la main. Après 6, 7, 8, 9. Excellent. Alors 6 plus 3, c'est 9. Et ici, le dominant à droite, il est placé verticalement. Alors qu'est-ce qu'on écrit ici? 6 plus 3. 3 égale combien 6 plus 3? 9. Oui, c'est la même chose. 6 plus 3 verticalement est la même chose que 6 plus 3 horizontalement. Excellent, Tara. Ah, maintenant, c'est un autre domino. Regarde. Alors, c'est la même chose. Le domino à droite est le même que le domino à gauche, n'est-ce pas? Oui. Alors, qu'est-ce que je dois écrire ici? 1. 1 plus 5. Alors, 1 plus 5 égale combien? 5 à la tête et 1 à la main. Après 7, 6. Très bien. Alors 1 plus 5 est égal à 6. Et le dominant à droite qui est placé verticalement, j'écris comment l'addition? Oui, 1 plus 5. 5, oui, on les place verticalement. 1 plus 5 égale combien? 6. 6, c'est la même chose, n'est-ce pas? Oui. Oui. Alors on fait un autre? D'accord. Ah, encore ici, on a le même dominant à droite et à gauche. Alors, combien de points sont les rouges? 4. 4. 4 plus 5. 4 plus 5 égale combien? 9. Oui, 9. Peux-tu me montrer comment tu as calculé? 5 à la tête et 4 à la main. Oui. Après 5, 6. 7, 8, 9. Excellent, Tara, excellent. Et le domino verticalement placé, on écrit quoi ici? 4. En haut, 4 plus en bas. 5. 5. 4 plus 5 égale combien? 9. Oui, c'est la même chose. 4 plus 5 est égal à 9 parce que c'est la même égalité. D'accord? Merci, Tara. Dis au revoir. Au revoir. Alors Omar, tu as aimé la vidéo? Oui. Alors lis s'il te plaît. 3 plus 5. Oui. Qui est le plus grand? 5. Alors, qu'est-ce que je dis? 5 à la tête et 3 à la main. Après 5, 6, 7, 8. Très bien. Alors, j'écris oui. Excellent. La deuxième équation. Lis. 7 plus 2. Très bien. Qui est le plus grand maintenant? 7. D'accord. Alors, qu'est-ce que je dis? 7 à la tête et 2 à la main. Après 7, 8, 9. Excellent. Alors, j'écris 9. Très bien. Merci, Romar, et au revoir. Au revoir.